And then I saw that I just had enough, and it was out of place. Concentrated on myself, you know, found a little thing. Let it out, to go, let it out. I think I'm trying to part, cause I want it and I need it, and I know I gotta let it out. You gotta let it out, you gotta let it out. On est Wolves à Midnight. On est un band alternatif indie rock avec des tendances un peu électro, EDM. Puis ça fait deux ans à peu près. Un an et demi à peu près. Un an et demi. Ouais. On a commencé par sortir un single. On avait du monde qui croyait à ce qu'on faisait. Puis ça nous a amené à continuer un peu. Mm. Puis après ça, on est allé en studio. On est allé au studio Piccolo recorder un pit 5 tunes. Puis ça nous a permis de. Je pense que d'apprendre à être des musiciens et à jouer ensemble parce qu'on a dû faire ça, mais dans un studio. C'était comme. C'est très semblable comme expérience, je trouve. J'ai eu cette émotion-là aujourd'hui, en fait. Vraiment. Puis, c'est ça. On a recordé l'EP. On l'a sorti il y a pas longtemps, en fait. Il vient juste de sortir sur iTunes, puis tout, là. Ensuite, c'est ça, en gros. C'est ça, notre histoire. On a un clip qui vient de passer à Musique Plus aussi, qui est en rotation depuis une semaine ou deux. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui croient à ce qu'on fait et qui nous poussent, surtout des artistes qui chantent en anglais au Québec. C'est pas nécessairement évident, ça que c'est le fun d'avoir des gens comme ça qui nous supportent. Alors, depuis le début, on a comme du monde d'un peu partout qui viennent comme se rajouter à notre équipe. Puis là, on est comme une grande famille, on a du monde qui font les. Il y a du monde qui vient de prendre des photos au show, prendre des vidéos. On a une équipe de vidéos qui ont fait notre clip, tout le monde autour qui participe. Puis c'est ça qui fait qu'on continue. Des fois, on doute, mais. On a tout le temps du monde qui sont puis ouais, ça avance, fait que ça nous pousse un peu, puis c'est pas mal ça. On est bien entouré. On accepte le challenge de chanter en anglais au Québec, là, même si c'est pas toujours facile là, de se faire des connexions. Là. On essaie d'être catchy, je pense aussi. Mais moi, j'ai une passion pour comment on peut mettre une toune dans la tête de quelqu'un avec des éléments qui fait que ça. Qu'est-ce qui fait que la toune est dans ma tête? Là, puis moi, j'ai une c'est justement ça, j'aime ça, pop aussi, c'est justement ça qui font que le monde revienne chez eux, puis qu'ils sont comme. Voyons, c'est quoi cette chanson-là, tu sais? Puis que finalement, ils se retrouvent sur iTunes, puis ils la téléchargent parce qu'ils l'ont dans la tête, puis que ça a comme ouvert leur curiosité. Tout est pensé. Hoping for a better world. So we
every single thing they said. I try to tell you what I wanted most, agree with all the bads I chose. I don't wanna waste another. Don't mind me, I'm just here on my own. I've been hoping for a better world, so we could be ourselves and just let it out. Cause I can't take you waiting no more. In a heartbeat, in a heartbeat, yeah. Cause I don't wanna leave you at the end, yeah. In a heartbeat, in a heartbeat, yeah. Cause I don't wanna see you wait no more. Don't mind me, I'm just here on my own, hoping for a better world. So we could be ourselves and just let it out. Cause I can't sit here waiting no more. Let's go!
D'habitude, ça va partir soit sur le laptop à Marc ou sur mon laptop. Genre, on va commencer avec une idée ou des fois, on va travailler ensemble. On va comme partir un peu le skill de la chanson. Là. Il va y avoir la mélodie, les accords, peut-être des leads un peu, mais pas plus que ça. Puis après ça, ben c'est avec le reste du band vraiment que ça devient une chanson de Walls at Midnight ou ce que toutes nos influences, justement, comme on parlait précédemment, qui se rencontrent puis que ça fait ce qu'on est comme band, qui est notre identité. Ouais. Tu sais, des fois, Sam, j'envoie un recording que j'ai sur mon set, puis ah, on devrait faire de quoi avec ça, puis je suis comme, t'es. Puis là, finalement, on le fait, puis on est comme, ok. Puis il y a beaucoup de trucs que Sam m'envoie aussi que je vais écouter dans mon char, puis il va y avoir donné un titre comme un peu random, je vais comme, okay. Là, je l'écoute de plus en plus dans mon char, puis là, je trouve des hooks, dans le fond, c'est là. Puis c'est pas mal là que ça se passe pour moi, dans l'auto, là. Je me mets souvent à la place de quelqu'un qui est dans son auto, puis qui voudrait écouter une tune, puis ça donne que c'est une track qu'on a fait. Ouais. Mais il y a Ice Bright qui ça fait un an et demi qu'on joue puis que j'ai pas encore décidé c'était quoi la track d'Adrien. ouais, ben ouais. C'est toujours un work in progress. Ouais. C'est correct. Enregistré puis tout. Ouais, c'est ça. Si seulement c'était la seule tune. Ouais. We'll be right back.
when you're fighting with me, I guess I really wanted you to end this way. Over and over again, to be this way. If you want me to, eyes blind, you got me where you want. Where's all the love now? Sitting in the bedroom. Where is all the love now? Sitting in the bedroom. If you want it all to escape your mind, all in all we decide what's yours, yours. C'est moi qui écris les paroles. J'ai une tactique d'improvisation, si on veut. Puis j'aime ça jouer avec comment que les mots fitent ensemble. Puis quand je trouve comme des mots qui se lient bien, ben là, j'ai souvent un chorus, puis là, j'écris l'histoire autour. Puis là, des fois, je mets des parenthèses de ma vie dans mes textes. Faut pas le dire, ça, tu sais. Ben, des fois, non, c'est juste l'inspiration qui me vient de je sais pas où, là. Ça parle souvent d'espoir, de trouver genre du bonheur dans tout ce qu'on fait. Puis il y a souvent des parenthèses avec le band qui sont comme on a tellement le goût de réussir, on veut tellement comme que ça marche. The Way It Is parle sur tout ça. Tu sais, il y a Lines qui parle des couples qui vont pas bien. Il y a des chansons qui parlent beaucoup d'amour, des chansons qui parlent d'amitié. C'est souvent auto. Je parle souvent d'amour mes chansons, là, mais je suis inspiré par ça. Ce qui est fun aussi avec les textes de Max, que je trouve, c'est que on peut le comprendre de plusieurs angles différents, on peut le voir de plusieurs façons différentes. Ça fait en sorte que les gens peuvent avoir leur propre interprétation. Moi, il y a des textes qui écrit que je pensais pas que ça avait la signification pour Marc, qu'est-ce que ça avait. Puis moi, je le comprenais complètement différemment. Puis je me dis bien pour les gens qui écoutent nos chansons, mais c'est la même chose. Puis je trouve ça le fun. Moi, les chansons que j'aime le plus, les paroles que j'aime le plus, c'est les paroles justement que je peux interpréter selon ma vie, selon mes intérêts ou peu importe c'est quoi le sujet de la chanson. Nos pièces, c'est comme des toiles. Oui, c'est ça. On justifie pas. Hein. C'est sans signification. Ah, OK. Time.
I'm inside. What if I was gonna say?